retour à l'appart. Oui. Donc, après un bon dimanche de service au restaurant, c'est pour ça que c'était une sortie nocturne. Et bah, déjà, on remercie Momo. Oui, tout à fait. je l'appelais Momo pour l'invitation au petit event musical que je vous ai mini-filmé. Mm. Parce que bon, droit d'auteur, machin, avec les DJ, ça passe mal. Donc, c'était le Crossrock 2. Le Crossrock Festival. Festival. Deuxième édition. C'est ça. Donc, tout frais, tout neuf. Ikebukuro au... Mismatch. Voilà, dans la boîte qui s'appelle Mismatch. Ouais, qui est à quoi, allez, à 1 minute 27 secondes du Ichiran. Ichiran, le restaurant ramen qu'on a fait, où on a mangé la dernière fois. Donc voilà, petite boîte de nuit. Mm. Bon, en même temps, on est au Japon, donc ils vont pas faire des trucs immenses. C'est toujours très petit, hein, ce genre d'endroit. C'est toujours très confiné, en fait. Enfin, il n'y a jamais beaucoup de place, j'ai remarqué, dans... Enfin, on n'a pas fait beaucoup de boîtes ni de bars, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y va, c'est toujours, compact. Voilà, de toute façon, c'est développé en vertical, le Japon, ouais, c'est pour ça. Bah oui, c'est ça. Donc, ouais, bon, bah, petite boîte, mais ça n'empêche que bonne ambiance. Mm. Les gens étaient vraiment à fond dedans, c'était plutôt pas mal. Moi, j'ai pu vous filmer que le groupe de Taiko, et je me souviens plus du nom, Agakure. Oui. Voilà. Agakure. Donc, eux, ils ont bon. Un site Agakure Japan. C'était vraiment bon, ils mettaient bien le feu de toute façon, taiko, à la scène. Les Taiko, souvent, c'est assez impressionnant parce que voilà. Ouais, c'est une énergie, les mecs qui sont en sueur. Quoi. C'est imposant, ça. Tant qu'au niveau, autant au niveau du bruit, enfin c'est pas la mélodie, c'est du bruit que ça fait, et puis même les mecs le rythme, derrière, ils sont, voilà, le rythme, puis les mecs derrière, tu vois que voilà, c'est tout un art. Enfin là, ils jonglaient avec leur, avec leur baguette, ils faisaient des sauts, c'est vraiment tout un art en fait, et c'est impressionnant, non seulement par le son, que par l'image. Mmh. Et donc voilà, je voulais vous montrer, même si j'ai pas pu tout vous montrer, parce que voilà, c'est du DJ, c'est du son. Je vais dire du son de boîte, mais non, pas forcément. Là, c'était très rock, hardcore, des fois, ça dépendait de DJ, bien sûr. Un DJ, alors, une ambiance. Il dit, j'ai filmé parce que j'y étais pas, hein, je vous le dis, voilà, sans... Voilà. C'était l'envoyé spécial pour cet événement. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais oui, alors ça dépend des DJ, après, c'est du goût musicaux, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je veux dire, il y en a que j'ai pas accroché, il y en a qui étaient pas mal du tout. C'était plutôt sympa. Ah ouais. L'événement est encore jeune. Bon, oui, c'est récent. Ouais. Faut faire un petit peu de pub pour que ça avance. Mais c'est plutôt sympa. C'est plutôt cool. Mais alors, du coup, il y a un truc qui. L'entrée de. Parce que c'est une petite salle de concert, en fait. Je sais pas si c'est une boîte de nuit. C'est marqué salle de concert. Salle de spectacle. J'ai vu que c'était. Voilà, c'est un truc d'événementiel, en fait. C'est plusieurs choses qui peuvent se donc passer. Donc, les entrées comme ça, c'est on paye une entrée à un prix. En général, c'est autour de 2005-3000. Ça dépend sans doute où on va et ce qu'il y a dedans. Et. La boisson. Il y a une boisson obligatoire en fait. Ouais, voilà. Là c'était 500 yens et on a un petit billet boisson. Parce que les boissons sont à 500 yens. Ça va. Après, ça dépend des priorités des gens. Après, bien pour sûr. Certains, ça peut paraître un investissement. Pour d'autres, bon, c'est rien. C'est une soirée quoi. Donc, non, ça dépend. Voilà. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Ce sont les soirées. Ici au Japon, les boîtes de nuit, ça revient souvent très vite cher, donc des événements comme ça, je trouve que ça va quand même. Parce que quand c'est juste une boîte de nuit, tu vois, où tu vas juste pour danser et boire, bon voilà, là c'est plutôt un événement un peu culturel. Alors là c'était, là c'était spécial en plus, que c'était du rock, mais cross-anime. Voilà. Il y avait des génériques d'anime et ça c'était bien. Voilà, il y avait un objectif derrière. Ouais. C'est vrai que quand on va dans des boîtes et tout, et déjà que tu dois débourser, je sais pas combien, pour l'entrée, plus pour les boissons, plus, ça revient souvent très cher. Et là, par contre, pour des événements comme ça, c'est quand même sympa de débourser. En pendant qu'à côté, il y a des gars, je sais pas, dans le resto, qui sont en train de hurler dans tout le resto. Ils doivent être bourrés, ils doivent gueuler pour rien, en fait. Hein, comme d'habitude, quand les Japonais sont bourrés, c'est assez marrant. Ouais. Non, mais là, ce qui est intéressant, justement, d'habitude, moi je le dis, hein, je suis pas très boîte de nuit. On n'est pas très boîte de nuit. Non, on n'est pas boîte de nuit. Déjà, c'est pas notre style musical. On n'est pas marrant. On picole pas. On picole pas. On ne boit pas, voilà, soyons corrects. On ne boit pas, à part de temps en temps, mais vraiment très rarement. On ne va pas en boîte parce que. Parce que c'est pas notre truc, c'est pas l'ambiance. Moi je préfère aller à des concerts qu'aller en boîte. Moi je préfère les avoir dans les écouteurs, la musique. Ouais, ok. Et la boîte, c'est vraiment. C'est chiant.
Bon, nous, c'est vraiment, on n'arrive pas à accrocher. Il faut vraiment que ça soit spécifique. Hein. C'est pour ça que je me suis déplacé. C'est parce que les thèmes, moi, ça me correspondait. Ah non, non, mais là, c'est pas une boîte. Je veux dire, la boîte classique. Ah oui, t'as juste vraiment de la musique. Non. Je veux dire, pas, enfin, là, l'événement, il était spécial. Donc, c'est pas la même chose. Oui, oui. Et les bars, bah, c'est pareil. On n'est pas tellement bars. Non, parce que mon bon limonade et on part. Mais bon, quand il y a des événements spéciaux comme ça nous intéresse quand même un peu. C'est pas mal. Et puis là, c'était... Voilà, Momo qui gérait un petit peu le truc. Une Française. Une Française. Voilà. Du coup, c'est pour ça. Hein, on donne un petit coup de pouce. On va voir, on regarde ce que c'est. Puis on fait un petit topo pour voir si c'est sympa. Et ma foi, moi, je dis que c'était plutôt pas mal. Encourager, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Surtout s'ils arrivent à retrouver des artistes comme les gars du Taiko, là. Ouais. Des artistes dans le genre ou autre chose. Mais, c'était un bon point. C'était pas mal du tout. Ouais. Donc voilà. Et en plus... Ça commençait à 17h, ça terminait à 22h. Ouais. Donc c'est-à-dire que vous pouvez vous faire une bonne petite soirée. Donc sortie du boulot, si vous le savez, parce que c'était un dimanche. On est dimanche là. C'est vrai. On a dit la date. On est dimanche, on est le dimanche 26. Oh, hey, ça fait 5 mois qu'on est au Japon, aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, on est dimanche. 5 mois on est dimanche. Donc on travaille pas, mais le lendemain on travaille. On va pas faire une soirée parce que bon, ça fait chier, on a la tête dans les fesses après. Et là justement, c'est pas mal quoi, parce que musique, petite boisson, bah jusqu'à 22h. Oui, mais c'est vrai qu'ici j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'événements qui sont quand même organisés le dimanche. Contrairement en France où en général, dimanche c'est journée morte quoi. Enfin, en tout cas, c'est ce que oui, moi, c'est... l'ambiance qui se dégageait chez moi. Après, j'habitais pas dans Paris. Dans Paris, donc il se passe des choses incroyables. Dans Paris, peut-être que c'était différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, chez nous, c'est vrai que dimanche, c'était équivalent de journée morte. Quoi. Ouais, donc ici, on a toujours l'impression qu'il y a des choses qui se passent. Mm-hmm. Même le dimanche, quand les gens travaillent le lendemain, il y a encore des choses à faire. Donc c'est plutôt sympa aussi, ça, cet aspect-là. Mm, même si tu rentres pas tard chez toi parce que tu travailles, évidemment, il y en a qui s'en foutent, je suis sûre. Mais là, à côté... voilà, par exemple, à côté, là, ils en ont pour au moins quelques heures. Et... je ne sais pas, je suis curieuse et je ne sais plus ce que j'allais dire. Bah voilà, c'est dimanche et ça va. Bah c'est dimanche et c'est cool, ouais. Et donc logiquement elle m'a dit que le prochain event ce serait en septembre normalement. D'accord. Donc ça se trouve on ira faire un tour dans un petit event comme ça, puis on verra bien. Et si vous cherchez, je balance mes sources, vas-y. Un petit café ambiance rock sur Shibuya, c'est le Rockaholic. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc apparemment, c'était un petit café rock très sympa. Mmh. Pas encore très été. Sympa, vous avez entendu. Très sympa. Très sympa. Donc voilà. Agression du très sympa. C'est très ça. Donc voilà, bah, c'était la mini-sortie, le mini débriefing. Oui, encore une fois, merci pour l'invite du petit événement. Oui, merci beaucoup. Et donc on va remercier les gens. Parce que, est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Bah non, en ce dimanche. C'était un dimanche tout à fait, en somme, voilà. Il y en a qui travaillent, voilà. Qui travaillent sur le site et tout ça. Moi je travaille informatiquement, j'essaye de faire des choses, et on est sur votre carte, on est sur vos cartes postales, là, donc oui, on a du retard un peu quand même. Bah, c'est juste que normalement on engage des écureuils qui lâchent les timbres et qui voilà, les collent. Voilà, c'est ça. Et là, puis il faut écrire, voilà, donc on a plus d'une trentaine de cartes postales à remplir, bon ça se fait pas en 5 minutes, voilà, donc voilà, on arrive, on vous jure, et en plus comme c'est décalé par rapport au don Tipeee, ça prend encore plus de temps que, voilà, donc bon, bref, on est sur la bonne voie, ça arrive, voilà, on est en train de se faire, ne nous en veuillez pas. C'est ça? Oui, la phrase me paraît bien. Ne nous en veuillez pas. C'est horrible à dire. Ne nous en veuillez pas. Non. Non, ne vous. Ne vous, non, non. Né, né, né. S'il vous plaît. Enfin bref, vous avez compris. Pardonnez-nous. Voilà. Donc, on va rendre l'antenne. Oh, merci les gens. Bien sûr. Merci ceux qui regardent, ceux qui commentent, qui partagent, ceux qui like. Ça fait perturber le fait que je parle pas, mais... C'est ça. Merci au tipeur. Merci au tipeur. Il me semble qu'il y en avait quelqu'un qu'on avait oublié. Oui, Ohio Japan, oui. Comme d'habitude. Merci à toi, bien sûr. Merci à toi, tu es l'une de nos fidèles tipeuses de cette aventure. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous de nous suivre depuis 5 mois maintenant.
Vous avez du courage. Voilà, donc ça fait 100... Là, on va être à 153. 153 vidéos. C'est énorme, voilà, donc merci à vous, c'est quand même assez fou. On a encore une bonne... Que t'arrives-tu ? Bah oui, c'est fou, oui. On a encore une bonne partie de vidéos bonne à faire, moitié. Donc, ouais. Et bah voilà, on est content de pouvoir vous faire découvrir le Japon tous les jours, surtout Tokyo évidemment, puisque c'est vrai qu'on vit là, donc c'est plus facile de vous faire découvrir Tokyo. Mais bientôt on va à Osaka, Kyoto, machin, donc ça va être cool. Et on ira ailleurs plus tard, donc ça va être cool aussi. Et voilà, donc on vous remercie beaucoup. Et on vous dit bah demain, moi je travaille, toi. Non, je crois pas. Voilà, on verra, voilà, donc il verra, nous voilà. Verrons, et nous verrons. Donc on vous dit quand même si on travaille ou pas, voilà, on vous informe de notre petite vie. J'aurais faire les courses sûrement. Voilà, donc ça va être sympa. Et si vous voulez plus de détails, eh ben vous, pour l'event que j'ai mini-filmé, vous regardez, c'est Cross Rock 2, voilà. Le retour. Et tu pourras mettre un lien aussi, si tu veux. Je pense que je pourrais mettre un lien. Voilà. Ou je le mettrai si c'est possible. Je pense qu'elle le mettra. Et puis on vous dit, bah... À demain. Bye.